Alors, on a souhaité venir à la REF justement pour pouvoir mieux comprendre quelles allaient être les grandes directives du gouvernement et justement voir quel allait être le plan de relance et les grandes tendances à venir pour l'économie française. Alors, la crise sanitaire, pour nous, a été un accélérateur de croissance puisque tous les enfants de toute la France se sont retrouvés à domicile. Donc, il a fallu poursuivre les apprentissages et occuper les enfants. Donc, c'est vrai qu'on a mis à disposition notre produit gratuitement pendant un mois à toutes les écoles qui le souhaitaient et à toutes les familles. Donc, ça nous a permis justement d'accélérer aussi le business en termes de chiffre d'affaires parce que malgré la gratuité, on a fait x4 en termes de chiffre d'affaires. Et ça nous a permis aussi de faire grandir la société. Donc, pendant cette période, on a fait beaucoup de recrutements. On a intégré, onboardé pas mal de nouveaux collaborateurs, donc qu'on a rencontrés au bout de quelques mois physiquement, même si on les voyait tous les jours, malgré tout, dans notre organisation en visio. Ça nous a permis d'intégrer des nouveaux process en termes de fonctionnement avec nos équipes, mais de façon dématérialisée. Et ça nous a appris finalement à créer une cohésion d'équipe de façon un peu hybride, puisque aujourd'hui on va tendre vers un fonctionnement plutôt à moitié en présentiel et à moitié en distanciel. Donc je dirais que voilà, ça nous a permis de mettre en place des process. Ce qu'on attend de cette relance économique, c'est aussi que les Français y voient plus clair aussi, que justement on a vu que l'éducation était un enjeu sociétal et un enjeu crucial. Donc on attend aussi qu'il y ait des vraies dispositions qui soient mises en place et des vraies décisions qui soient prises pour mieux former les professeurs, mieux équiper les écoles et pouvoir justement réagir en cas de nouvelles problématiques de ce type. Alors ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que on a la chance d'être en France et d'avoir eu un gouvernement qui a finalement plutôt bien géré cette crise économique. Il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, l'économie a été soutenue. Donc j'ai envie de dire qu'il faut rester plein d'optimisme, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que finalement l'économie a été moins impactée que ce qu'on le pensait. Donc il faut continuer à entreprendre, continuer à innover et puis se bouger, quoi.